Shepard, essayez d'accéder à la passerelle. Je n'ai pas accès aux commandes, mais... Mais et vous avez vu ça? Où c'est qui ça? Cette femme à l'écran. Le docteur Eva Kor. Elle est arrivée la semaine dernière. Du nouveau? Passerelle inaccessible. Ok. On dirait qu'il y a un chantier à côté. On passera par le toit. On peut trouver un chemin à partir de là. Bien. La vie trouve toujours un chemin. Eh ben allons-y les enfants, c'est parti mon kiki! Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Mass Effect Legendary Edition. Nous venons de démarrer Mass Effect 3. Nous sommes sur Mars aux archives, récupérer les plans de l'arme protéenne. Et oui, il y a une tempête et c'est pas une petite, si vous voulez. Hein. Allons-y, vous. C'est quoi ce bordel? On dirait que l'Alliance résiste encore. Ah ah. Amène aux archives. Cerberus y parvient. Vous t'en traites mal, Joker. Ah mal, c'est à cause de la tempête. Merde, si vous avez perdu le contact avec le Normandie, montrez votre position. Ah, c'est merde, c'est pas Joker. James, j'entends rien, répétez. Ouais, c'est Muscleur. Quelle est votre position? Dans ton cul. Pardon, merde. C'est... Non. La tempête sera sur nous dans 5 minutes. Youhou. J'adore, il peut sauter maintenant. Il ne semble pas avoir été forcé. Non, il faut contourner les protocoles de sécurité. Alors allons-y. Ah, qu'est-ce que vous attendez? Allez, amenez-vous. Ouh. Oh mon dieu. Je m'y refais pas le coup de la lampe. Avec le faisceau lumineux, mon dieu. On se croirait dans House of Ashes, dans Until Dawn, dans Man of Medan. Quelqu'un a vidé l'air de cette pièce alors qu'ils y étaient encore. C'est moche, ça. On dirait qu'ils ont griffé les murs pour s'échapper. C'est brutal, même pour Cerberus. Ok, les commandes environnementales sont en bas. On va rallumer tout ça. Ah ouais, vache. Ils ont été dépressurisés, là. Ouais, Cerberus fait pas ce genre de choses, pas possible. Cam, qui est cette femme qui fout le bordel dans mes fichiers? Virez-la, moi, de là! Je ne laisserai pas une soi-disante experte qui sera plus là la semaine prochaine planter la zone de mon système. Putain d'étrangers qui croient tout savoir et qui respectent pas ce que nous cherchons à accomplir ici. Docteur Eva, sérieusement, vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé la dernière fois? Signé Simon. Ok. Ça, c'est le distributeur de bouffe lyophilisé. Ça donne envie. Bien reçu. Ils ont peut-être pas terminé. Quels sont les ordres? Il y a une escouade de l'Alliance quelque part. Il faut les tenir loin du cœur. Vérifiez la pièce suivante. Loupé! Vous êtes tous morts! Ah, ou pas, ou pas. Peut-être pas tous encore. Maintenant, vous êtes tous morts. Ah, il y a de nouveau des munitions, mais j'en ai pas besoin. Il y en a plein en dessous aussi. Je suis au max. Les commandes environnementales, c'est bon. Il faut d'abord pressuriser la salle. Oui, merci. Et voilà, nous avons accès au labo. Et de là, nous irons à la station de tram. Quelle chance. On dirait un enregistrement de ce qui s'est passé ici. Mettez-moi l'enregistrement. Station de sécurité, vous êtes là? Il se passe de drôles de choses par ici. Nos protocoles de sécurité se sont déclenchés, tout est verrouillé. Docteur, je vous ferai un rapport. Ah ben voilà. Voilà. Eva Kor. C'est elle qui a tout aspiré. Cerberus est entré. J'aurais dû m'en rendre compte en la croisant.
J'étais trop absorbé par mes propres recherches. Ouais, oublions ça, on avance. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, il faut que vous nous meniez aux archives. Ouais, pas de regrets, Lyra. Les regrets, ça bouffe la vie. On se rapproche. Bien. En avant. En avant, marche. Ça va, mouignache les nettes, mouignache les lunettes. Ouh. Lyra, on y va. On commence par une petite sauvegarde rapide, histoire de... Hein ? Voilà. Amélioration d'armes. De Amelia Atterson à Michael Sullivan. Salut tête de con. Je vais même pas demander comment ça va vu qu'on raconte que vous répondez tous des germes de rhume dans la réserve. Je sais que vos babioles protéines sont fascinantes et tout, mais vous devriez vraiment arrêter les nuits blanches et prendre un peu de repos les gars, hein. Vraiment. Enfin, j'irai transférer mes dernières trouvailles au QG sur Terre et... On dépressurise dans ces secteurs, alertez la sécurité. Je le fais bien à la fin, la sécurité. Hein, voilà. Ok. Par contre, je sais pas où est le cadavre de celui qui avait ça en main. Ah bah, il est là. Il a été projeté 2 mètres plus loin, sans doute. Allons-y. Parce que si t'avances pendant que je recule, comment veux-tu? Comment veux-tu que je... Attention, grenade! Il y a des boucliers. Est-ce que tu voudrais bien faire une petite déchirure, Maliara? Ça marche pas la déchirure, tu tirais dans les pieds avec cela. Moi je sais, c'est dans les pieds. Voilà. Ah, quand t'arrives à viser les pieds. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal aux doigts de pied, hein. Ah bon, je les ai eus. Par contre, on y a lâché des serveurs. Des serveurs. On y a lâché des chargeurs. De Feza et Kaltekele. À Sandoval Fletcher. Ouais, je sais. Le spécialiste externe la même semaine, ça fait beaucoup. Mais Hudson, j'ai déjà entendu parler de la série. Elle est très réputée, elle a amené des recherches fascinantes sur les protéins. Le docteur Eva est une inconnue, mais le docteur Tsuni, c'est autre chose. Je t'ai joint ses travaux les plus avancés sur la culture protéine. Lilé, tu comprendras quand on aura fini. J'ai vraiment hâte qu'elle soit présentée au personnel, hein. C'est si excitant. Feza. Ouais, eh ben ma pauvre Feza. Il doit plus trouver ça si excitant maintenant, hein. Alors, sont tous morts? Oui, apparemment. C'est... Ah non, pas tous. Allez-y, fais-moi une singularité qu'on va dire. Ouh, il est bon. Ah bon. On les a eu. Peut-être pas encore tous. Attendez, on avance un peu parce qu'on est trop loin là. Ok. Je voulais la déchirure alors. Putain, c'est antibiotique aussi leur... leur bouclier à 2 balles là. Attends, comment je tire leur... comment je tire les grenades là? Non, ça c'est le... Ça c'est le mode ralenti là pour être plus efficace. C'est pas à ça que je pensais. Merde, je sais pas comment on lance les grenades. C'est depuis ici ou pas? Non, non plus. C'est quoi ça? Non. Puanteur. Ils ont activé les protocoles de décontamination. Avec le personnel à l'intérieur. Non plus. C'est bon. Alors comment est-ce qu'on coupe ça? Ah oui, c'est vrai. Il faut le couper au bon moment. Parce que sinon après on est coincé. Il y a plusieurs modes pour pouvoir y voir des trucs. Là c'est pour récupérer le fusil à pompe machin. C'est bon. Ça, c'est fait. Ici qu'ils étudiaient les diverses reliques déterrées. Qu'est-ce qu'ils ont découvert?
Trop de choses pour que ça tienne en quelques mots. Et là, on passera pas. Ils n'ont pas creusé très loin. Il y a des coffres remplis de données protéines qui n'ont pas encore été étudiées. Note personnelle, es Esperanza, experte en linguistique. Nous n'avons pas pu déchiffrer grand-chose de leur langue pour l'instant, si ce n'est rien. Mais leur documentation visuelle nous donne une idée de ce qu'ils étudiaient. Nous. Ils semblent s'être intéressés de près au processus d'évolution de Cro-Magnon, du moins c'est ce que laisse penser la façon dont ils ont organisé leurs données et mis en valeur certaines occasions particulières. Ça semble un peu fantaisiste en l'écrivant, mais tout indique qu'ils devaient tenter de suivre la courbe de progression de la maturation intellectuelle de l'humanité. Tu m'en diras tant. Ok, il y a un truc à récupérer là. Alors, ressortez s'il vous plaît. Ressortez, merci, parce que je vais le rallumer. Je vais le rallumer, vous voyez. C'est-à-dire que je vais attendre que ça, ça passe. La porte, tac. Ah, je peux pas. Mince. Attends. Là, ça doit être bon. Ouais, là, c'est bon. Ah bon, on fera tout d'un coup. Le fusil de précision. Et nous, on a tout vu ce qu'il y avait à voir ici, donc on peut y aller. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est parti, mon kiki. C'est la ligne de tramway. Elle mène droit aux archives. Cerberus a dû la boucler. Nous devrions pouvoir régler ça à la station de sécurité. C'est juste par là. Oui, alors c'est pas par là, hein. C'est bien de l'autre côté, hein. Centre de contrôle du tram. Allez, on y va, 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 on y va. Ah, puis au moins il arrête de s'essouffler toutes les 3 secondes. Oh là là là, il a vraiment pris un coup de jeûne. Ah, ça lui a fait du bien de se retirer un peu du service actif, notre papy. Hein, maintenant il court sans s'essouffler. Ah, il court toujours comme un dératé, mais sans s'essouffler. Ouh, attention, des gros canons. Ouh là là. Sans blague. C'est la seule. C'est ça, entrée. Sans blague. La seule à ma connaissance. Ah bah nous voilà bien. Nous allons contourner, restez à couvert. Je passe devant. Ne la laissez pas vous viser. Oui, oh bah c'est facile à dire, hein. Gardez la tête baissée. Wouah. On bouge. Aïe. On bouge. Saleté. Oh oui. Bordel. C'est ça, bordel, exactement. Non, c'était bordel. Pas vraiment ça. Ça non plus d'ailleurs. La tourelle ne peut pas nous tirer dessus d'où on est. Tant mieux. On peut rentrer là pour zigouiller les autres? Oui. Ça on peut le faire. Surprise. Ouais. Ouais, bah, sur lui, vas-y, vas-y, vas-y. T'es mort! T'es mort! Il y a beaucoup de fumée, je n'y vois rien du tout. Mais rien du tout. Alors attends, je recharge. Ah, ça se dissipe un peu. Oh bah non, vous l'avez tué sans moi! Vous avez même pas eu besoin de moi, les filles! Non, franchement. Note de recherche de J. Tasman. Tasman de garde, hein, voilà. Le dernier site de fouille semble avoir livré tous ses secrets, mais à en juger par le réseau de communication et le réseau électrique de secours de la première base de recherche protéine que nous avons découverte, nous pensons qu'une autre base pourrait être située plus en profondeur. Il va nous falloir la permission des instances supérieures pour creuser davantage, les instances supérieures pour creuser en dessous, hein, fantastique, pour creuser davantage, mais vu le récent regain d'enthousiasme pour nos travaux, ça ne devrait pas être un problème. Eh bien, espérons-le.
Hein? Quoique, avec ce qui vient de se passer, je suis pas sûr que ce soit pour demain. Ok. Allez. Ah non. Mais c'est où qu'on va? Ah bah là, le centre de contrôle du tram, tac. Oh, c'est beau. Dresser un périmètre, personne ne passe. On a encore du monde de l'autre côté. Personne. Et coupez-moi ces caméras. T'aurais pu faire l'effort de les débrancher et pas de les péter. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas disposés à envoyer un tram. On peut le contrôler. Les archives sont sur un autre réseau. Nous sommes bloqués dehors. Pas complètement. Et si nous trouvions un émetteur à courte portée, casque à casque? Et? Et que nous les persuadions que nous sommes des leurs, et que les troupes de l'Alliance sont éliminées. Bonne idée. Tâchez de trouver ça. Bien, ouais, je mâche les lunettes. Quoi? Le lieutenant-commandant est devenu très compétent. Ah ben je lui ai tout appris. Effectivement. Shepard, j'ai quelque chose. Ah, menez les lunettes. Ça donne quoi? Il a un émetteur dans son casque. Si j'arrive... Oh! Mon Dieu! Mon Dieu! On dirait un zombie. Bah, c'est pas qu'on dirait, c'en est un. Mais ils lui ont fait quelque chose. C'est certain. Modifié? Par Cerberus? Ils prétendent défendre l'humanité, mais ils infligent ça aux leurs. Ah, bah Cerberus, oui, c'est ça. Ça aurait pu être vous, Shepard. Oui, ça aurait pu être moi. Pour moi, c'est ce que Cerberus vous avait fait. Vous m'assimilez à ça? Vous me comparez à cette chose? J'ignore ce que vous êtes, depuis qu'ils ont mis la main sur vous. Roche-le! Êtes-vous vous-même? Qui êtes-vous? Ne peuvent-ils pas vous contrôler? Enfin, roche-le! Je vide juste mon sac. Pas besoin de répondre. Rien de ce que vous pourriez dire ne me convaincra. Je suppose qu'il me faut du temps pour vous redécouvrir. Pour trouver l'homme que j'aimais. Ah mais je suis toujours moi. Je suis le même qu'avant. Ash, écoutez-moi. Je vous veux avec moi, quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je voulais entendre. Bien. On va voir si on peut faire venir ce tram ici. Allô? Allô, ici Delta, est-ce que vous me recevez? Qu'est-ce que vous faisiez? Oubliez ça, quel est votre statut? Nous sommes à la station de tram pour extraction, l'ennemi est éliminé. Bien reçu, l'escouade Echo arrive pour sécuriser la station. Ils marchent d'après vous? En tout cas, ils seront fixés bien assez tôt. Et nous avec? Nous devrions nous placer et les prendre de flanc à la descente du tram. Bonne idée, lieutenant. Ah, prenons les deux flancs. D'accord. Alors, tu vas là-bas. Ok. Voilà, ok. Très bien. Ok. Et voilà. Mais attends, je suis pas arrivé, moi! Merde, je suis à la bourre! Excusez-moi! Attendez, j'arrive! Tu es mort! C'est un massacre! Ah! Oh, mais vous allez faire un truc, je sais pourquoi Lyra, elle... Vas-y. Elle est mort. Ah, je sens qu'ils vont nous emmerder ceux-là avec leur bouclier, vraiment. Hein. Ah merde, il y avait une porte, on pouvait rentrer. Ça va les filles, excusez-moi, hein, j'ai un petit... Je vous ai placé, mais moi je suis pas descendu. C'est pas grave, tout va bien. Allons-y, c'est par là que ça se passe. Bzzz. La tempête empire, faudrait se manier.
Faudrait, ouais. Les archives sont juste de l'autre côté. Avec un groupe de soldats de Cerberus énervés. Aïe, ça a pété! T'es mort. Vous ne passerez pas. Surprise. Eh ben j'ai sauté. Comment j'ai traversé? J'ai sauté tout simplement. La valeur des données contenues ici. Cheat. Ils vont pas trouver qu'on revient trop vite. Qu'on a quand même fait que la moitié du chemin en fait, hein, même si ça a un peu... Puis en plus ça a pétaradé, ils auraient dû nous entendre, non? Oh la vache! Oh putain, il y a du monde, on nous attend! Attends! Attends! Normalement les blindages et les... Non, ça c'est les blindages. Et les boucliers. Ah putain, ils me l'ont foutu dans l'autre sens. Affaibli les blindages. Protégé par les boucliers. C'est ça. Tac. Ah, comment ça j'ai plus de munitions? Foutez de moi non? Vous pouvez faire un truc là, une petite singularité pour les faire s'envoler ceux-là. Mort. Elle, la même en couleur. Ah putain, il n'y a pas de singularité. Ah, vas-y, pompe. Toi, t'es mort par contre. Ah voilà, là, là la singularité. Ok. C'est bon, je l'ai eu. Détendez-vous, les filles. Détendez-vous, c'est bon, tout va bien. L'affaire est dans le sac et on détruise la situation. Tout va bien. Bien. Alors, hop, ici. On ramasse un... Ouh, modifier l'arsenal. Là, alors, j'ai le Vindicator. Qui est un petit peu plus lourd. Il y a une capacité moindre, une cadence de tir moindre, mais qui fait plus de dégâts. À peine plus de dégâts, mais par contre qui est plus précis. Je sais pas, parce que l'autre, on a quand même des rechargements de pouvoir supérieurs. Ouais, non mais vas-y, je garde celui-là. Pour l'instant, il me va bien. Par contre, j'ai pas pensé, zut, j'aurais dû. Si on avait déjà des mods installés dessus ou pas. Attendez, il y a des trucs. Hein, l'infirmerie, non, c'est tout. Celle-là, elle ne veut pas s'ouvrir. Celle-là, elle fait... Ok. Il y a encore des munitions, mais je suis full. Je suis full. C'est bon. Là-bas aussi. Ah, et là, c'est quoi, ça? Le fusil à pompe, un mode déchirant. Oh, je suis tout à fait déchiré. Ouvrez-moi ça. Surprise. Ash,
Ça me rappelle des vieux souvenirs, les monuments protéins. Hein. Ah ! Manquait plus que lui ! Shepard. L'homme trouble ? Fascinant. Moi je le trouve bien clair. Ils nous ont laissé tout ça à découvrir et nous avons tout dilapidé. L'Alliance a connaissance de ces archives depuis plus de 30 ans. Et elle en a fait quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ce que j'ai toujours voulu. Les données contenues dans ces artefacts sont la clé du problème des moissonneurs. Votre solution, je la connais. Vous changez votre peuple en monstre. Ils sont améliorés. Nuance. Ah oui ? Ouais. Elle est belle, ta nuance. Voilà ce qui nous différencie, Shepard. Là où vous voyez la destruction, je vois le contrôle. Le contrôle du pouvoir des moissonneurs. Imaginez la puissance de l'humanité si nous les maîtrisions. Mais vous perdez du temps. La Terre est assiégée et vous spéculez sur le moyen de contrôler les moissonneurs ? C'est facile de détruire, mais ce n'est pas digne d'une grande civilisation, vous le savez. C'est pour ça que vous avez laissé la base des récolteurs intacte. Si je vous ai laissé la base, c'était pour trouver un moyen de battre les moissonneurs. Exactement ! Pas pour autre chose. Non, ce n'est plus votre combat, Shepard. Vous ne vaincrez jamais les moissonneurs, même avec les données protéennes. J'ai de la ressource, connard. Vous m'avez fait revenir parce que vous saviez ce que je pouvais faire. Je peux les vaincre. J'en doute. Tout laisse à penser que non. Et surtout, je ne souhaite pas la fin des moissonneurs. Nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir, leur essence, pour amener l'humanité au sommet de l'évolution. Vous faites une erreur. Vous êtes allé trop loin. Les moissonneurs nous tueront tous si on n'arrête pas ces querelles. Je ne vous demande pas de comprendre, Shepard. Et je ne cherche certainement pas votre approbation. Vous étiez un outil, un agent à but unique. En ce sens, vous avez réussi. Mais comme le reste des reliques ici-bas, votre heure a sonné. Tu sais ce qu'elle te dit, la relique ? Yara. Ouais. Yara, coupez-moi ça. En travers de ma route. Je ne vous le redirai pas. C'est noté. Je ne cherche pas ton approbation, moi non plus. Quoi ? Les données, elles ne sont plus ici. Elles sont effacées. Saleté. Au revoir, Shepard. Merde. Comment il fait ça ? C'est local. Quelqu'un doit envoyer les informations. Hachelounette, attention ! Attention, Hachelounette ! Hé ! Éloignez-vous de la console. Allez ! Ah ben voilà, j'étais prévenu, hein. Qu'elle en a l'air. On la colle, la laissez pas filer. Ouais, on la laisse pas filer. Je la laisse pas filer. Ne la laisse pas filer. Elle est si... Ah, la saleté, elle est si fragile. Ah merde, ça passe pas. Faut ouvrir la porte. Ah putain, je me rappelle, j'ai galéré dans cette... J'ai galéré à cet endroit-là là, pour la fuite. Oh là là. La voilà. Sur elle. Elle s'enfuit. Ouais, attendez. Elle va pas s'enfuir longtemps, moi je te le dis. Par là. Ah si, je peux balancer une grenade frac comme ça. Tac. Ah mais merci. Cerberus a les données. Contactez le Normandie, qu'il débarque tout de suite. Aïe.
saleté! Qu'est-ce qu'ils me font pas faire à mon âge, je vous jure! Ah non! Non, faut la buter vite! Mais tirez! Mais butez-la moi! Je la tiens! Oh putain, Musclor! Oh putain, Musclor! Oh bah tiens, Musclor, il conduit aussi bien que moi, tiens! Aïe! Ah bah, ça nous fait un point commun! Ok. Putain, je me suis sorti du marathon là, du premier coup. C'est bon ça, j'avais dû m'y reprendre à 2-3 fois la dernière fois. Bon, par contre, hein, qu'est-ce qui reste d'elle? Ah, il y a la Musclor qui arrive. Il sera bientôt là. Bon, il faut qu'on retrouve les données dans tout ça, hein. Il nous faut ces données. Wow, wow, wow. Oh. Non, pas chlounette. Laissez-la. Vos ordres. Achevez-la. Bon. Eh, on l'a eu là. Oh, oh, oh. Faut pas déconner quand même. Achelounette. Attrapez ce truc. On l'emmène. Shepard, des signes de moissonneur en orbite. T'inquiète, Joker, on y va. Allez, Ash. Je vais vous sortir de là. Évacuation générale, messieurs dames. Mon Ashlounette. Ashley a besoin de soins médicaux. Ouais, ouais, je sais. Il faut quitter le système, Helios. Je sais. La citadelle est notre meilleur espoir. On y trouvera de l'aide. Je sais aussi. Joker, cap sur la citadelle. Bien reçu. Ash, tenez bon. Voyez ce que vous et Idea pouvez tirer de ça. Commandant, je reçois un signal sur l'encible secondaire. Il semblerait que ce soit l'amiral Hackett. Passez-le-moi. Ah oui, retenez-le, mettez-le en attente sur la 2, j'arrive. Shepard, vous me recevez? Commandant. Ah, je suis là, j'arrive. Vous améliorez ça? Je ferai de mon mieux. Vous avez atteint les archives? Ah oui, ça, oui. L'homme trouble était là. J'avais peur que Cerberus tente quelque chose. Ah bah c'est fait. Vous avez les données? Non. La plupart. Bah oui. Il en a téléchargé avant que je puisse l'arrêter. Idea et Liara analysent ce qu'on a récupéré. Vous avez appris des choses? Ça valait le coup? Les premières informations indiquent que les données seraient le plan d'une machine protéenne. Une machine? Une c'est arme qui est un... massive par voilà. La taille et la une portée, machine, c'est une arme, hein? Une destruction colossale. Pas une arme, c'est une machine. Envoyez-moi ces données. Nous ferons notre propre analyse. Si Liara a raison, on tient peut-être l'arme qui mettra fin au moissonneur. Je l'espère. Ashley est blessé. Nous l'emmenons à la citadelle. Je suis désolé, Shepard. Même si on sait tous les deux que ce n'est que le début. Allez voir le conseil, montrez-leur ce que vous avez trouvé. Avec un peu de chance, ils vous appuieront. Et s'ils refusent?
Faites ce qu'il faut pour les convaincre de se joindre à nous. Je vous recontacte bientôt. Enquête terminée. Enquête terminée. Mais nous aussi, on le recontactera bientôt. Commandant, IDEA extrait les données de la machine de Cerberus. Nous aurons des détails à montrer au Conseil quand nous atteindrons la citadelle. Et Ash ? J'ai fait mon possible. Elle a grand besoin de soins médicaux adaptés. L'amiral a raison. Ça va empirer, hein ? C'est ça ? Si on n'arrête pas les moissonneurs, oui. J'ai regardé les données. Cette arme pourrait être la solution, si on arrive à la construire. Je me trompe, ou vous n'y croyez pas vraiment ? Ah, c'est dur à croire. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait sur Terre ? Comment une seule arme pourrait les arrêter ? Ouais, et puis depuis Quels le temps, quand même. Vous savez qu'on n'y arrivera pas par les voies standards. Ah bah, faut prendre les voies détournées dans ces cas-là. Commandant ? Oui. Je vous écoute. Ça vaut au moins le coup d'essayer, non ? Ouais, je sais. Mais ouais, Assurez-vous que tout soit prêt pour notre passage devant le Conseil. Je suis sûr que le Conseil fera le bon choix. Ouais, bah putain, ça... la garde sera courte s'ils ne le font pas. Écoutez les enfants, nous arrivons à la citadelle, mais ce sera la suite, la rencontre avec le Conseil pour le prochain épisode. Moi, je vous fais tout plein de gros poutous, regardez comme c'est magnifique. De gros gros poutous, passez une excellente soirée, n'oubliez pas le pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Et rendez-vous très bientôt sur Mass Effect Legendary Edition, ou sur un autre jeu, c'était Papy. On live from the Citadel. À vous les studios. Ciao.